Le général Makosso, voilà, c'est DJ Plus de Londres. Toi-même, tu connais Chien Maïmbachien. Voilà, j'ai été l'un des premiers à te clasher sur les réseaux sociaux. Mais arrivé à un certain moment, je me suis calmé, j'ai essayé de chercher à te connaître. Voilà, un peu, bon, voilà. Donc, nous ne faisons plus des vidéos comme avant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir donner un petit conseil à un frère. Voilà, moi personnellement, voilà, aujourd'hui je vais te parler sur les réseaux sociaux. Encore. Voilà, moi personnellement, je voulais te demander, Makoso, je ne sais pas, qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux? Franchement dit, souvent j'essaie de me poser toutes ces questions-là, mais j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux? Parce qu'à un moment donné, là, il faut arrêter. Makoso cherche à arrêter. Parce qu'on suppose que tu cherchais la popularité. Ok, tu as la popularité. On suppose que tu cherchais des abonnés. Ok, tu as des abonnés. On suppose que tu cherchais que ton nom soit dans la bouche de tout le monde. Ok, ton nom est dans la bouche de tout le monde. Mais à part ça, là, ce n'est pas la fin du monde, Makoso. À un moment donné, il faut chercher à te recouvrir, il faut chercher à te calmer. Parce que on te voit trop sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec toi-même, ton identité. Parce que, mine de rien, tu dis que tu es pasteur. Tu es un pasteur, tu es un révérend, tu es un prophète, tu es un homme de Dieu, tu es quelqu'un qui prêche la religion. Ok. Tu t'es aventuré sur les réseaux sociaux. Ok. Tu as pris Facebook pour mettre sur ta tête. Ok. On suppose que c'est pour ta publicité. Ok. On suppose que c'est pour te faire voir, pour te faire connaître, afin d'avoir des fidèles. Ok. Tout cela, j'accepte. Mais à un moment donné, là, il faut se calmer. Il faut se calmer, Makoso. Faut te calmer. Parce que tu es trop en retard. Tu es trop en retard et puis inutilement. Tu es trop inutile maintenant sur les réseaux sociaux. Franchement dit, tu es un frère, mais ça ne peut pas m'empêcher de te donner un petit conseil, man. Ça ne peut pas m'empêcher de te donner un petit conseil. Il faut te calmer, Makoso, faut te calmer. Tu n'as rien à voir avec tout ça là. Hein? Aujourd'hui là, regarde un peu. Ta maman. Aujourd'hui là, regarde un peu ton papa. Il faut les regarder. Faut pas penser à toi seul. Il faut les regarder. Il n'y a pas un être sur la terre au monde qui peut accepter qu'on va dénigrer son père et sa mère. Il n'y en a pas. Makoso, ça ne te dit rien. Matin, midi, soir. Les gens sont en train d'insulter ton papa. Les gens sont en train d'insulter ta maman. Makoso, ça ne te dit rien. À cause de quoi? Buzz. À cause de toi. Visibilité. À cause de quoi? Mais à un moment donné, là, faut pas donner l'opportunité. Parce que toi, tu donnes l'opportunité aux gens d'insulter ton père et ta mère. Nos parents sont sacrés. Nos parents sont sacrés. Qu'au chiffre d'affaires, qu'au visibilité, qu'au abonné, tu vas faire quoi avec ça? Et puis tu ne vas pas partir avec ça chez Dieu, man. À un moment donné, il faut être très court. Hein? Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi dans l'affaire de couper, décaler de nos petits frères, des jeunes d'aujourd'hui là? Tu viens chercher quoi dedans? Ah! Makoso, tu cherches quoi dans couper décalé là? Tu cherches quoi dans buzz des gens sur Facebook? Tu cherches quoi? Non, tu cherches quoi? Un moment, il faut se calmer, mon frère. Faut te calmer. Faut te trécou, yaya. Moi, je te demande pardon. Faut te trécou. Faut reporter ta veste de pasteur. C'est tout ce qu'on a besoin. Un moment donné, moi, j'ai commencé à croire en toi. Oui. Mais je vois que tu continues toujours de jouer, de vouloir jouer le clown sur les réseaux sociaux. Faut te calmer.
Arafat a fait ceci, Mix a fait cela, Benoît a fait ceci, DJ Léo, Claire Bailly, Baba Amisara, cela, ça te dérange en quoi en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un pasteur? Ça va t'apporter quoi? Dans les versets bibliques, nous on n'est pas chrétiens. Moi je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis même pas religieux. Mais il y a des chemins que je ne peux pas emprunter. Par rapport à quoi? Célébrité là, ça va m'a changer quoi? Popularité là, ça donne quoi? Ça ne paye pas l'électricité. Ça ne paye pas la maison. Ça ne paye rien. Makoso. Tu te fais insulter par tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça ne te dit rien. Tout le monde t'insulte sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Parce que tu donnes opportunité. Ils ont raison de t'insulter. Parce que quand tu déjà là, les gens vont rentrer, man. Makoso, tu n'es pas le seul pasteur de Côte d'Ivoire. Dis-moi le nom d'un pasteur qui soit en train d'insulter sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà insulté pasteur Guy Vincent. Tu as entendu, ils ont déjà insulté pasteur Guy Vincent sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils se respectent. C'est parce qu'ils ne se mettent pas dans la bouche des enfants, des coupés, des calés ou bien la visibilité de quoi. Ils ne se mettent pas dedans. Il y a des pasteurs qui sont dans ça. Aucun pasteur n'est insulté sur les réseaux sociaux. À part toi, Makoso. Parce que toi, tu veux te mettre dans tout. Buzz, tu veux te mettre. Visibilité, tu veux te mettre. Abonné, tu veux te mettre. Clash, tu veux te mettre. Tu es dans quoi? Ebona, Makoso. Faut te calmer. Et regarde le problème de Debordo. Tu veux charger ça encore sur ta tête. Mais attends, tu es pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Man, bro, moi, il faut me soutenir parce que moi, je ne comprends rien, man. Tu es pasteur. Il dit, Debordo, viens chercher quoi dans ta bouche? Man, à un moment donné, on dit, ok, Makoso a fait ça pour avoir les abonnés. Makoso a fait ça pour la popularité. Ok, Makoso a fait ça pour la visibilité. Makoso a fait ça, lui, ok. Maintenant, il faut te recouvrir, c'est bon. C'est bon, il faut te calmer.